samedi 23 janvier 2021. Nous quittons le sud de la France et nous prenons la route pour rejoindre un très vieux château situé en plein cœur de l'Auvergne, dans le département de l'Allier. Cette région, considérablement marquée par le passage des ducs de Bourbon, recèle des centaines de lieux chargés d'histoire. Le château du Max fait partie de ces endroits et serait même l'un des châteaux les plus hantés de France. Un lieu riche de plus de 2000 ans d'histoire, qui a traversé de multiples générations et qui renferme de multiples légendes qui font fantasmer les plus curieux. Parmi elles, il y a celle de Jacques de Gouzol, qui aurait mystérieusement disparu dans le château alors qu'il était témoin de plusieurs apparitions étranges. Équipés de nos caméras et de notre matériel, nous allons tenter de démystifier l'histoire du château du Max et de mener l'enquête pour vérifier s'il est bel et bien le théâtre de phénomènes paranormaux. De fou, mais je l'ai vraiment senti comme ça. Hein? C'est ici que vous avez disparu, précisément ici. On va te tirer la lampe. Moi là par contre je commence à flipper, tu vois. On sait que... qu'il n'y a pas encore d'enquête paranormale qui a été effectuée dans ce lieu, on est les premiers à le faire.